Salut les vilains, comment ça va? Moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Final Fantasy. J'ai plus envie de m'avancer maintenant avec le nombre de surprises qu'on se bouffe dans la gueule pour dire si ça va être le dernier épisode ou pas. De toute façon vous êtes au courant, bon pas avant moi, hein, on va pas rentrer dans le paradoxe Tom Polel, mais voilà, vous êtes au courant au moment où je vous parle. Donc on va les tabasser ces petits élémentaires d'eau. Et j'espère qu'on va pas trop galérer parce que je vais essayer de finir ce jeu sans la soluce. Voilà. Je sais, je fais le fou, mais bon, là c'est pas trop compliqué. Il suffit de visiter un petit peu toutes les pièces, trouver les escaliers pour évoluer et combattre les boss déjà battus. Clairement, sans trop m'avancer, je peux dire quand même qu'il y a fort à parier qu'on finisse même pas les... putain, l'épisode. Hé, je vous jure, il y a un problème avec ça, faites quelque chose. Qu'on finisse le let's play du premier Final Fantasy lors de cet épisode. Parce que, franchement, j'ai l'impression que le jeu ne veut pas se finir. Hein. Je sais pas ce qu'il a. C'est limite comme s'il allait se sentir abandonné ou quelque chose, parce que... À la fin du jeu, je sais pas, quelle idée de balancer 4 boss avec un labyrinthe encore plus chiant que tous les autres labyrinthes qui étaient déjà super chiants. Et en plus de ça, à la fin, on se tape le boss final, quoi. J'espère qu'ils vont penser à faire une petite régène de vie parce que... Parce que ces types, on va être un peu dans la merde sinon. Au passage, on s'est encore coincé, hein. Là il y a 3 tombes, si je vais pas... Ah bah non. Ah ah. La solution c'est par là. Tac. Ah ouais merde, j'ai plus de... Je n'ai plus de magie. Bah on va cac, hein. Et après... Après ce combat, bah on va déjà se heal. Parce que là regardez, on a pris cher. Et on va se redonner de la magie. De la magie, de la magie. Ah ouais, si vous ne suivez pas mon let's play Remember Me, je peux vous annoncer avec, avec une grande joie que j'ai enfin ma Wii U avec Mario Kart 8 comme premier jeu. Vous savez, c'est à Premium avec Mario Kart 8 déjà installé dedans. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. De toute façon, l'argument de Nintendo, c'est la nostalgie, hein, et ça a carrément joué sur moi. Donc là, je joue à Mario Kart et je suis tombé contre un japonais qui avait l'air super fort. D'ailleurs, à la première partie que j'avais faite contre lui, il a dû nous mettre 3 minutes dans la gueule, le mec. A tel point que j'étais à deuxième place de la course, écoutez bien. Quand je chopais un carré, vous savez les trucs là où il y a les objets, je tombais sur des étoiles, alors que j'étais à deuxième place. C'est ce truc de malade. On va pas utiliser la high potion, je vais utiliser les terres. Les terres que j'ai foutues, d'ailleurs. Il nous reste 2 popos, on va utiliser comme ça c'est fait. Hop. Donc les terres qui est juste là. Hop hop. Toi on te refoule comme ceci. Putain ça nous a coûté cher là. Et toi tu vas soigner un petit peu tout le monde. C'est bien parce que cure soigne comme une potion et coûte vraiment peu de mana. C'est ultra rentable. Parfait. Et voilà. Ah moi je suis le pro des cul-de-sac, hein. Là on va rencontrer donc le boss. Voilà. Du coup bon tabasse, pareil, ce qu'on fait c'est qu'on lance Flare. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain il nous envoie de la... De l'encre sur la gueule. Oh là là, c'est tellement trop fort ce spell. Ça va être le meilleur spell du jeu, non? Non, on m'avait dit que le meilleur spell du jeu, je sais plus dans quelle ville il se situait, mais j'ai eu un commentaire pour m'avertir où se trouvait le meilleur sort du jeu. Alors je sais pas si c'est Flare ou si c'est un autre. En tout cas, je suis désolé, mais j'ai pas pu le récupérer parce qu'au moment où j'ai lu ton message, j'avais déjà entamé le donjon. Voilà. Et en plus, franchement, c'est bête pour moi parce que j'aurais aimé le voir ce sort.
Mais c'est pas grave, on va se consoler avec le Final Fantasy 2 et des sorts de ouf. Et vraiment des sorts de ouf. Putain, j'ai trop hâte. Et ce qui va être bien, c'est que le 3, il va nous faire une petite coupure, le Final Fantasy 3 aussi. Parce que du coup, ça va être en 3D. Ça va faire du bien un petit peu. Ah merde, j'ai oublié de spell. C'est pas grave, de toute façon, lui, il meurt. On le défonce là, c'est magnifique. Il fait pas de dégâts et tout. Bon, là, ça commence à faire mal, hein. Parce qu'il me fait des toons d'Ara à chaque tour. De toute façon, il n'y a pas besoin de heal. À mon avis, là, dans les deux prochains tours, il meurt. S'il a à peu près la même vie que les autres, hein. Il doit avoir à peine plus. Ah bah voilà, il est mort. Même pas eu besoin de lancer un flare. Ça va, on est allé vite pour lui. Donc il nous reste plus que le mec du vent. De recombattre le mec du vent. Et on sera certainement à la dernière salle de ce jeu. De ce Final Fantasy. Oh là 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 là, mais les 1133 de dégâts, c'est magnifique. Donc ce que je voulais faire, voilà, c'est soigner avec les MP qu'il a pour l'instant, voilà. Comme ça, c'est fait. Oh là là, les bâtards sur sa dernière salle. Oh, déjà? J'ai déjà trouvé la solution? C'est dingue, ça. Ah, oh, ils ont été sympas pour le coup, ils nous ont pas trop fait chier cette fois. Mais le souci, c'est que j'ai même pas vu l'escalier. Et il faut dire aussi, je me suis fait surprendre, hein. On risque de le perdre, ce combat. Je suis pas full life et tout. Ça pue un peu la merde, là. Toi, tu vas faire item direct, hein. High potion. Elle est où? High potion, voilà, sur Bilel. Hop. Oh, wow. On est dans la merde. On va se servir de popo pour heal, hein. High potion, high potion, high potion, vite. Faut vraiment pas que je meurs. Même pas, on va même pas faire de high potion, on va faire vraiment un truc bien meilleur. Faut pas se casser le cul. Alors pas elixir quand même. Je sais que j'ai une potion là qui s'appelle la potion X. Un truc comme ça, voilà, X potion. Putain, on est vraiment mal tombé, hein. Vas-y, hop, faut vraiment que Bilal y tienne le coup. Flare. C'est la plus grosse attaque que je peux faire dans ma team. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous a pété. Oh, heureusement que ça fait sur l'autre, hein, parce que s'il aurait utilisé sur le cadavre de Bilal, j'aurais pété un câble. Là, ce qu'on va faire, parce qu'il t'a pas grand chose, donc c'est pas intéressant. On va le faire utiliser des queues de phénix, on en a v'là. Hop, sur Bilal donc. Moi, magie, flare. Aïe 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 aïe. Ah fou. J'attendais à vraiment plus de dégâts, hein. On a de la chance, on a de la chance. Pareil, tu vas utiliser une X potion en espérant qu'il meure pas à Bilal là. Putain, c'est dommage, on aurait pu garder ça pour le boss quand même, hein. Mais il est chaud, il m'a vraiment. Il m'a vraiment pas pris par surprise, parce que normalement on est censé le rencontrer une fois qu'on a trouvé la sortie, mais. On vient de commencer. Et genre on l'a déjà trouvé alors que je la vois même pas, quoi.
Il veut pas mourir en plus, hein. Il veut vraiment pas crever. Phoenix down, c'était où ça? Putain, on a vraiment trop d'objets, hein. Hop, tac, tac, flare. Eh, il va remourir direct. Putain, ça c'est très con. Oui, il m'énerve à pas mourir là. Très très énervant ce mec. Phoenix down là, hop. Incroyable. Ah, ils ont vraiment donné pas mal de PV. Un bon sac à PV. Ah merde. Oh là 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 là. Oh non non, je veux vraiment pas mourir là les mecs, hein. Ça va pas être possible ça. Le pire, hein, c'est que j'ai oublié de dédoubler la sauvegarde. J'ai vraiment été trop con. Mais vraiment trop trop con. Vous savez, quand je vous avais dit il faut que je dédouble la sauvegarde, sinon si on n'a pas le niveau pour faire ce digi, comme ça on peut revenir en arrière, j'ai oublié. J'ai sauvegardé par dessus comme un con. Et le mal était fait au moment où je m'en suis rendu compte. J'étais deg. Ah, faut vraiment qu'on le batte là. Faillera. Non 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 non. Oh là 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 là. Meurs mec, meurs. Et l'autre con, il va encore utiliser la high potion sur le cadavre. Parce qu'il est trop débile pour refaire le bon coup qu'il avait fait avant là. Ce petit sur le. Putain, il est con. Mais c'est pas possible. Pourquoi il meurt pas là? Il décède à un moment. On va perdre les mecs, on doit refaire le mec. Oh non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Meurs maintenant, meurs là, tu meurs, putain. Meurs. Allez. S'il te plaît. Oh là 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 là, le perfect. Oh, oh là 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 là. C'était vraiment au ras du cul. Au ras 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 ra du cul. Putain de merde. Vous voyez, on sait même pas où il faut aller encore. Bon, du coup là, ça va être soit intense, hein. Allez, tu reviens à la vie. On est tous niveau 50 là. C'est peut-être même le niveau max. Non, ça peut pas être le niveau max quand même. Éther. Voilà. Allez, tu vas soigner tout le monde. Magie. Voilà. On va sauvegarder par dessus, hein, puisque de toute façon ça changera plus rien. On est coincé dans le donjon. Avec le max de fric en plus. Alors, je pense que c'est en haut. Yes. On y est là. Toujours pas, attends, mais qu'est-ce qui va se passer là? Normalement on doit rencontrer le boss. Ah oui, la grande salle. Oh là 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 là. Les amis, let's go. C'est le chevalier noir. Do you remember me? I was once Snow was a knight of Cornelia. Bon, en gros, est-ce que tu te rappelles de moi? Je suis le guerrier de Cornelia. Bien sûr qu'on se rappelle de toi, mon gars. Il était trop stylé pour être si peu important. J'aurais dû m'en douter. Ça fait 2000 ans depuis que tu m'as tué. Je suis Garland. Mais attends, on a remonté le temps de 2000 ans ou on a avancé le temps de 2000 ans? On a reculé logiquement. Oh, you did defeat Mizen.
Ok, apparemment les quatre grandes forces l'ont sauvé en l'envoyant par-dessus le temps. Comme ça. Une fois ici, j'ai senti le pouvoir des quatre démons dans le futur. Use the four great force to send me into the past. Alors, en gros, il a utilisé c'est la force des quatre pour aller dans le passé. J'ai pas compris comment il a fait, mais bon. Dans 2000 ans, je me rappellerai pas de ça. Quoi? C'était toi le... Putain, c'était le chevalier noir du début qui était le boss final! Donc il a dit qu'il l'a ressuscité. Enfin, il a dit qu'il allait nous tuer. Tuer, retuer, retuer. Et... Je n'ai encore une fois dans le cercle sans fin que j'ai créé. Putain, ça avait l'air d'être une trop belle conclusion, mais moi j'ai pas capté. J'ai capté à moitié, c'est dommage. Bon allez, du coup on tabasse là. On va te lancer un flare. J'espère qu'on va le gérer. Hein. Oh non, déjà! Ah le bâtard. Ah le bâtard. Oh! Attends, mais c'est pas le blaze de tout le monde ça. Ça, c'est pas le blaze qui me font les autres ennemis d'habitude, hein. Ok! Je vois. Je vois que ça fait très mal tes trucs là. Oh tiens, regarde, moi si je te mets la même. 453 en ta gueule. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas utiliser un item, donc la hype potion bien évidemment, sur le mage. Et toi, tu vas aussi faire des hype potion. Alors, sur le moine. Hop. Je pense que c'est le mage qui va encore tout faire hein, dans ce combat. Heureusement que j'ai repris un mage noir. Oui, ça va. Mais arrête de faire des sorts comme ça! Oh là là, en fait le mec il va nous envoyer pendant les 4 premiers tours les 4 sorts élémentaires, c'est ça? Ah ouais, putain j'ai bien fait d'utiliser les deux potions alors. Parce que du coup les deux là ils vont survivre. Normalement Ayuk va mourir, Banana là il va crever. Ah ça c'est con par contre hein. Mais on risque de tous crever en même temps là d'ailleurs. C'est très... Mais pourquoi il a pas utilisé la potion sur Bilal? Il a été stun? Putain, il avait même pas utilisé une popo, ce connard là. Banana de merde. Putain. C'est pas possible. Comment t'as pu fail une utilisation de potion? Il soigne lui. Il attaque. Non, il avait pas failli, c'est parce qu'on s'était pris de tsunami dans la gueule, c'est ça? Bon évidemment il balance le cyclone mais je sens qu'il y en a 3 qui vont mourir là, je le sens très mal. Putain, peut-être même les 4 là d'un coup. Oh là 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 là, c'est cheaté. Oh putain. Il y en a qu'un qui est mort mais... On a pris tellement cher. Bah là on perd là. Là on perd clairement. Parce que on peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Pourquoi ça fait ça là? Mais merde! Item. Si on soigne pas avant, bah là de toute façon tout le monde va mourir hein, parce qu'il lui reste encore un sort. Ah non, il lui reste plus de sort élémentaire là. Là il va plus utiliser de sort élémentaire logiquement. Là il a fait les 4 éléments. Il nous a bien défoncé d'ailleurs. En fait, au début du combat contre lui, il faut vraiment utiliser que des popos pour survivre à ses 4 premiers sorts. Ah, mais en plus, il fait le truc de la terre après. Ouf, heureusement. Allez, maintenant. On va soigner le moine. Allez.
c'est hard. C'est très 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 hard. Ah mec, ça y est, reprend déjà Blaze. C'est pas possible. Bon bah là il y en a deux qui décèdent hein. Voilà. Et moi il me reste avec 188. Prochain spell, je meurs. Non, ils l'ont fumé leur boss. Ils l'ont fumé, c'est un truc de dingue. 365 à l'auto. Wow. C'est dingue, 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 dingue. Y'a pas moyen pour faire qu'il soit vraiment avec une bonne défense, le gars. Regardez, il a même pas de bouclier, on peut pas lui mettre de bouclier. Le rebond, ça changerait quoi? Rebonds at wards of special attack. Either cap made of use. Ah bah attends, on va mettre ça. Ça fait la même défense, mais il y a un truc particulier. Rebonds at wards of special. Ah, ça prévient des attaques spéciales. Ruby armlet. Et protect ring. Bah, c'est celui qu'il a. Bon bah d'accord. Hein. On peut faire vraiment mieux. En avant. Putain. Bordel de bordel de bordel de bordel. Laissez-moi finir ce Final Fantasy, s'il vous plaît. Non mais ils ont abusé sur le boss. Ils ont clairement pété un putain de câble. 20 000 PV, le mec, il peut lancer un sort et il se soigne du 9999. Mais... il a 10 fois plus de vie que les autres. Il fait 2 fois plus de dégâts que les autres. Et il fait tout le temps, quasi tout le temps, des putains de trucs de zone. C'est nimp. Il est complètement fumé le truc. Allez, donc toi, on avait dit, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas protect. Qu'on le fasse quand même. Hein. Toi aussi, tu vas protect. Je fais item. Je te double l'attaque. En fait, c'est que le. D'accord, je vois. Le moine est sensible aux attaques de feu, c'est ça? En gros, dès qu'il y a une attaque de feu qui arrive, on sait que notre moine est décédé. Voilà, on a bien résisté par contre, c'est cool. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est les high potions. High potion sur sur Bilal. Après tout le monde va faire des high potions sur lui-même. Donc on est bien sur le deuxième tour là. Deuxième tour de boost. Toujours on part sur 5 tours. Et là il va mourir. Putain, il va prendre ultra cher avec ce sort de feu, c'est ça ou pas? Le feu c'est ce qui lui fait trop mal. Ah non, je comprends pas la logique des dégâts alors. Je comprends plus la logique des dégâts qu'on se prend, c'est complètement aléatoire. Sacrifier banana. High potion sur Bilal. Troisième tour de boost. Putain, il abuse. Il abuse clairement là. C'est bien. Là, je peux plus.
Je peux plus gérer cette situation maintenant. Comment je vais faire? S'il me remet un spell, c'est fini. C'est ça, hein, s'il me remet un spell, c'est fini. On va espérer que mon mage prenne pas trop de dégâts, donc c'est lui qu'on va sacrifier sur ce tour. Le quatrième tour de boost là, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter à 4. Hein. Ça a l'air trop chaud. Putain. On fait les popos avant la chance. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Cyclone, putain. S'il vous plaît, le mage y survit. C'est le mage qui doit survivre. Sinon, je soigne pas Bilal. Il a pas eu le temps de soigner Bilal. Bilal ne meurt pas surtout aussi. Putain, je sais pas, ça pue la merde, il faut qu'il en sorte comme ça là. C'est tellement aléatoire. Putain. Giant Gloves. Bon là du coup ça marche comment? On va essayer de le full heal, hein. Attends, c'est pas X. Si c'est X. Et on va sacrifier tout le monde pour essayer de sauver le guerrier. Toi tu vas taper pour une fois. Et si le guerrier il meurt direct, comment je le seum? Oh ça va, c'est le mage. Ok, élixir, boum. Bilal il revient dans le game. Eye potion sur le guerrier. Le guerrier peut survivre à un sort éventuellement. La 28 hit, 2772 dans ton cul. Fils de... J'en ai marre là, j'en ai marre, il va mourir, c'est bon. Là on a les dégâts, on a les dégâts. Allez, eye potion sur Popo. Allez, continue, encore des eye potion sur Popo là. Toi tu tapes. Allez, on est bon, là on est bon, là on est bon. Putain, là, un tour pour rien, un tour pour rien, un tour pour rien. C'est un connard qui crève. Putain, ce connard de banana. Gros connard. Allez, Bilal. Boum. Donc là, on lui a enlevé du 5000. 5000 et quelques. Allez. Item. Eye potion. Attaque. Allez, 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 allez. Yes. Boum! Là, on est sur du 7005, on va dire. Ok, 7005. Eye potion, attaque. Oh, il fait des focus de con. Putain, allez, on est à 9000. Il tue, putain. 12 000. Oh, merde. Oh non, c'est si proche. Oh non, le feu. Juste le feu. Il a fallu que tu lances un truc de feu. Putain, non, c'est possible. Yes. Oh. Putain, ça a joué tout là. Oh. Slora, mais oui, mais du coup, ça va réduire l'attaque à mort. Oh putain. Oh, oui. Ouais. Ah. Putain. Regardez-le mourir. Regardez-le mourir. Putain, oui. Oh, je pensais tellement qu'on avait perdu. Oh. Oh, bordel. La joie. Ah, cette joie. Ouh. Il faut que je me réveille mes émotions là parce qu'il va y avoir une conclusion, sûrement des textes à traduire. Ah bordel, je suis trop content. Ah, ah j'arrive plus à vous traduire, vous débrouiller. Je suis trop content. Bon en gros vous avez compris quoi.
Le monde est heureux, voilà, l'eau n'est pas déchaînée, la terre est fertile, le vent est tranquille, il n'y a pas de tempête, tout le monde est content, c'est la paix. Et voilà, les héros ont réussi à annuler ce défunt avenir au monde. Et la lumière des cas de cristal est restaurée par la force de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Et ben voilà. Et ben voilà les amis, putain. Merde, on l'a tué ce boss, on l'a eu. It was a mere trick of fate that had given rise to the chain of Galanras. Donc on a libéré on a libéré en gros le monde des chaînes de la colère de Garland. Voilà. En gros c'est ça. Mais magnifié par les quatre forces qui guident le monde. En fait ils disent que Garland au début était gentil je crois. Mais ça a amené finalement à la naissance des démons. Ce qui il y a 2000 ans a provoqué la fin du monde. La fin du monde, quoi, on peut dire. Vous savez, quand c'est chronométré comme une bombe, là, vous avez compris quoi. Monster Run Rampant on the World Sunk into Darkness. Ok. Ah, je suis trop heureux, hein. J'ai le cœur qui bat comme ça, là, le fait d'avoir tué ce boss, putain. Ah ouais, non, mais j'avais compté les PV, je pensais pas qu'on allait le tuer sur ce coup-là, hein. Normalement, on devait pas l'avoir. But all that is no past, tout ça est du passé. Ah putain. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quand les quatre forces grandiront, en gros, je crois. As they were meant, the warrior prepared to cross time and return to the world they know, a world where princess Queen Jane and Evan Garland. Je sais pas, il raconte une belle histoire avec Garlaan et le royaume de Cordelia. C'est vraiment dommage que je l'ai pas comprise. Si y a un mec qui est bon en anglais, qui puisse m'expliquer, enfin, ou un mec qui a déjà fait Final Fantasy en FR, qui puisse m'expliquer et en même temps qui puisse expliquer à tout le monde en gros qu'est-ce qui s'est passé avec Garlaan, parce que ça a l'air très intéressant tout ça avec le royaume de Cornelia et tout. Qu'il explique vraiment clairement l'histoire, je le remercierai jamais assez. Qui le mettent en commentaire et on likera le commentaire pour que tout le monde puisse comprendre l'histoire quoi. Parce qu'elle a l'air vraiment. Elle a vraiment l'air très sympa. Personne ne peut le dire. Bah c'est triste, c'est dommage si personne ne peut le dire. Non, je suis sûr qu'il y a un gros fan de Final Fantasy qui se fera plaisir de nous expliquer. Et c'est ça qui est vraiment bien avec YouTube, c'est que voilà, moi j'aurais pas pu faire Final Fantasy 1 en FR dans tous les cas. Et le fait d'avoir une communauté YouTube, ben, ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses, ça fait plaisir. Oh, ils disent pas mal de trucs, hein. Ils disent pas mal de trucs. Il s'est fait plaisir, en fait, ils ont écrit un roman à la fin. Au lieu de te faire une cinématique, eux, ils ont compris comment économiser du temps et de l'argent. On va mettre un long texte, en fait, les mecs, hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On va pas se casser le cul, le jeu il est terminé. On les a bien emmerdés avec les cul-de-sac et le boss à 20 000 points de vie. Maintenant, c'est bon. Mais c'est long. Je peux pas faire un truc. Non, je vais pas. Si j'appuie sur une touche, j'ai peur que ça passe tout. Tout le texte. Si je passe tout le texte, je vais me faire assassiner. Mais quand je vous dis que je vais me faire assassiner, je vais me faire assassiner. Voilà, je vous laisse le texte pour les anglophones, ceux qui essaient de comprendre un petit peu. Moi, je suis perdu dans les pensées, là, j'ai tué Garlaan en mode vénère, 20 000 points de vie, c'est bon, moi, j'ai fait ma vie, j'ai vécu, c'est bon. Alors, évidemment, on reprendra directement donc sur le Final Fantasy 2, hein, donc l'épisode directement qui va suivre. Soit le lendemain, soit l'après-lendemain, vous aurez l'épisode Final Fantasy 2, ça dépend. Comment je me débrouille avec l'ISO, s'il faut que je fasse des tests avant, parce qu'il va y avoir des tests avant. Si tout marche bien, c'est bon pour enchaîner directement, ou sinon vous attendrez un petit jour. Alors, c'est pas grand chose. Et voilà. On a fait combien d'épisodes? Je crois qu'on en a fait 21 ou 22. Je crois qu'on est à 22 épisodes. On aura terminé en 22, c'est quand même énorme. Hein. En comptant que j'ai fait des épisodes de minutes dans les 35 minutes.
Il y en a qui sont partis jusqu'à 45, voire une heure. Le jeu a été long. Le jeu a été très très long. Comme ce texte. Tu sais jamais quand il va se terminer. Parce qu'ils disent à moi, ils ont dit... Vous savez la phrase genre... Personne ne peut le dire. Ça, c'est vraiment le genre de phrase qui termine, quoi. Mais non, non, ça continue. Ils t'envoient dans la gueule. Et putain, regardez, ils auraient dû faire le roman Final Fantasy au lieu de faire un jeu. Oh là là, ils ont intérêt à m'expliquer tout ça. Hein. Vous avez intérêt, hein. Quelqu'un me traduit tout ça. Et essayez pas de faire Reverso. Reverso, ça pue. Ça va me mettre une construction de phrase dégueulasse. Sauf si avec Reverso, vous arrivez à un petit peu reformuler pour qu'on comprenne, mais... N'empêche, la musique est magnifique. Putain, je suis dingue parce que j'avais dit que je devrais traduire, mais là, je vous jure, ça m'a perdu. Il y a trop de textes en même temps, j'arrive pas à... Je suis paumé, là, je suis paumé. J'arrive à la compréhension quand un mec me demande quelque chose. Vous avez vu, de toute façon, hein, j'ai franchement compris la plupart du jeu. Mais après... Voilà, là... En plus, ils essayent un petit peu de construire leurs phrases, vous voyez, c'est... Ils expliquent une histoire quand même fantaisiste, et dans les trucs de chevalier, il faut parler, tu vois, un petit peu comme Monseigneur. Donc voilà, là, c'est des phrases bien construites en anglais. C'est pas trop de mon niveau. Hein, c'est un peu compliqué. Tu vois, par exemple, le mot bringer, qu'est-ce que c'est, je sais pas. You are the bringer of light, ça a l'air d'être parfait de cette phrase, mais bringer, écoute, je sais pas trop ce que c'est. Ah, le petit lâcher de colombe, ça veut dire qu'ils vont nous libérer. Eh oui, beau, beau, beau petit signe, et bah super, on a fini Final Fantasy. Je suis content, hein. Ah, je suis vraiment content de moi, là. Putain, je voyais pas le bout, en fait. Et voilà, donc maintenant, c'est le crazy que je vais peut-être vous laisser. Pour voir s'il n'y a pas un truc après. Ah, il va y avoir pas mal d'enchaînements d'images. Je vais voir, je vais voir. En tout cas, moi, c'est là que je vais arrêter de commenter, peut-être. Je sais pas comment je pourrais faire, en fait, d'arrêter de commenter sans vous embêter. Parce que là, je recorde sur Fraps. Je sais que sur mon logiciel habituel, quand je recorde sur console, je peux couper mon micro pour pouvoir après faire le montage. Mais là, je sais pas comment je vais faire. Alors, tout ça, c'est des images... qui apparaissent en fait dans la cinématique d'introduction du jeu, ou que je vous ai pas montré. Donc elle est en 3D, elle a été refaite spécialement pour le... Enfin, elle a été faite spécialement pour le remake. Et voilà. C'est censé être le Hero of the Light. Yeah. Il est trop moche. Il est vraiment trop moche. Putain. Bah voilà les amis. Hein. Voilà. Voilà, 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 avec un magnifique effet de particules, comme si on se baladait dans l'espace. Ouais, bah, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, je suis en fait en train de trouver une solution pour essayer de vous quitter. Bah, on va faire une technique, on va essayer de retirer le casque avec le moins de bruit possible. Je suis vraiment désolé, ça va faire dans tous les cas un truc dégueulasse. Mais voilà, le temps que le crédit tourne, je vais pas attendre, je vais juste après couper et ça sera bon. Bah voilà les amis, en tout cas c'est... La fin de ce Let's Play Final Fantasy premier du nom. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur sa totalité. Et je n'ai plus une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss! Et à la prochaine!